j'accueille Muriel Van Vliet, qui a donc fait une thèse sur les rapports entre Cassirer, Warburg, Lévi-Strauss, et donc à même de nous présenter une réflexion sur les rapports entre anthropologie et histoire de l'art chez Zemper. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque, ainsi que les différents responsables du musée d'Orsay pour leur accueil en ce lieu. Ma conférence propose d'inscrire les écrits de Gottfried Zemper au sein d'un courant de pensée que l'on nomme la morphologie, avec l'intention de lier l'architecte allemand avec un certain nombre de ses contemporains pour mettre en évidence l'originalité de son approche. Du point de vue de l'histoire allemande des idées, le XIXe siècle est certes marqué par Kant, Hegel et les continuateurs de l'idéalisme, mais il est aussi nourri par une autre ligne de force tout aussi puissante que l'on peut désigner comme la ligne morphologique, et notre hypothèse sera ici de proposer que c'est sur cette ligne que se situent les travaux de Zemper. Alors, on peut faire partir cette ligne de Goethe, puisqu'on lui doit le terme même de morphologie. Ce poète et penseur allemand définit la forme comme figure, Gestalt, et ce qui l'intéresse est avant tout le processus de configuration, Gestaltung, permettant de générer ces figures par transformation de type ou figure originaire. Si Goethe appartient à une génération antérieure, il est indéniable que Zemper y puise une de ses sources. Zemper connaît aussi les écrits de Guillaume de Humboldt, ou Wilhelm von Humboldt, contemporain de Goethe et adversaire historique de Hegel. Humboldt applique la morphologie à l'étude du langage, tout en inscrivant celle-ci dans une approche plus générale de la culture. Leurs anthropologies respectives présentent des points communs, et on peut formuler l'hypothèse selon laquelle Zemper prolongerait Humboldt du côté de l'art et de l'architecture. Mais si l'on veut replacer Zemper dans le courant morphologique, il ne faut pas se contenter de voir ce qui se passe chronologiquement en amont de ses travaux, mais examiner bien sûr aussi ce qui se produit en aval. Pour cela, il n'est pas inutile de comparer le rapport de l'individu à la société chez Zemper avec ce qu'en dit le sociologue et philosophe de la culture qu'est Georg Simmel. Il n'est pas anodin de remarquer d'ailleurs, donc c'est un peu anecdotique mais à mon avis essentiel, que comme Zemper, Simmel souligne l'importance du cadre et de l'ornementation. La théorie du style de Zemper trouve également des échos plus tardifs dans la théorie de la culture définie, je cite, comme « anthropologie de l'homme en mouvement » que dessinent chacun à leur manière l'historien de l'art Abi Warburg, le philosophe Ernst Cassirer et enfin le philosophe et historien de l'art qu'est Edgar Wint, ces trois auteurs étant intimement liés comme Zemper à la ville de Hambourg. En se centrant sur l'ornementation et l'architecture, Zemper donne à l'approche morphologique une tonalité spécifique. Et c'est cette originalité que nous voudrions mettre en lumière en faisant saillir par contrastes successifs sa manière d'interpréter la transformation des figures, de redéfinir le symbole et plus largement la culture. Dans un premier temps, nous allons rappeler l'apport goethéen à la conception que Zemper développe de la figure et du style. Dans son poème sur la métamorphose des plantes, ses écrits sur l'art, mais aussi au travers de sa riche correspondance, Goethe n'apparaît pas seulement comme un poète, mais également comme un penseur de la forme, qu'il redéfinit comme figure. La figure est essentiellement plastique, elle est animée par un processus actif de configuration. Le cœur de l'approche esthétique de Goethe n'est d'ailleurs plus tant la beauté que ce processus permanent de reconfiguration. La beauté des œuvres d'art n'a de valeur que parce qu'elle témoigne d'un processus de formation qui atteste de la liberté de création d'un individu qui s'est élevé, je cite un titre d'ouvrage de Goethe, de la simple imitation de la nature jusqu'à la manière, puis jusqu'au style. L'humanisme de Goethe ouvre un intérêt nouveau, bien qu'encore discret, pour, je cite Goethe, les cocos et les plumes des peuples non occidentaux. Là encore, ce qui compte aux yeux de Goethe, ce n'est plus ce qui rend beau ou laid, en fin de compte, la question importe seulement de manière secondaire, mais ce qui importe, c'est ce qui forme et informe. Il s'agit de différencier différentes manières de procéder à la mise en figure. La configuration se définit comme transformation à partir d'un type originaire. Elle correspond à la dérivation d'une série à partir d'un cas prégnant que l'on fait librement varier. La configuration témoigne d'un rythme oscillatoire, diastole et systole, harmonisant repos et mouvement de la figure. Ce processus caractérise d'ailleurs tout autant l'organisme vivant que l'art. Goethe refuse toute coupure ou opposition entre organisme naturel et œuvre culturelle. L'œuvre culturelle redouble simplement le processus qui rend vivant l'organisme naturel, lui-même susceptible d'ailleurs d'évolution. Mais malgré cette approche croisée du vivant et de l'art, Goethe ne prône absolument pas l'imitation de la nature par l'art.
Il ne défend pas non plus une conception naturalisante de la culture. Si les formes humaines peuvent être à juste titre rapprochées des organismes naturels vivants, ce n'est jamais pour réduire la production culturelle aux mécanismes naturels, puisque selon Goethe, la nécessité intérieure qui anime toute forme n'est en rien exclusive de la liberté créatrice de l'imagination humaine. Contre tout déterminisme, Goethe défend une conception résolument humaniste de l'homme qui est vue comme un second Prométhée. L'art doit s'élever de manière téléologique de la simple imitation mécanique de la nature à la manière, encore trop subjective, puis au style. Le style correspond selon Goethe au niveau où l'individu créateur et les figures créées entrent en résonance au travers d'une série d'expérimentations qui dégagent des essences. Cette position morphologique dynamique réagit contre un formalisme abstrait qui couperait les formes du processus qui les a vues naître, qui couperait les formes du matériau et des techniques utilisées ou encore du milieu environnant. Le matériau se trouve valorisé, avec par exemple des études sur la couleur, dont Goethe étudie le phénomène d'organisation dans sa célèbre théorie des couleurs. Les figures doivent être replacées dans la globalité d'une expérience, où la figure interagit avec l'environnement sans rien perdre de son autonomie. Goethe ne néglige jamais l'importance de l'atmosphère que cet environnement global dégage, par exemple avec ses études sur les nuages, les espaces atmosphériques. On perçoit particulièrement l'influence des écrits de Goethe dans ce passage de Zemper, donc que je cite et vous pouvez suivre en même temps que moi. « Le style, c'est la mise en évidence élevée jusqu'à l'expression artistique de l'idée originaire et de tous les facteurs intérieurs et extérieurs qui influent en la modifiant sur la mise en forme matérielle qu'ils ont contribué à établir. De même que la nature, avec toute sa diversité, se montre toujours économe et simple en ses motifs, de même qu'elle ne montre qu'un renouvellement constant des mêmes formes mille fois modifiées suivant l'échelle graduée du perfectionnement et les diverses conditions d'existence des êtres, de même, il existe un ensemble de formes originaires servant de base aux arts techniques et qui, quoique imposées par une idée primitive, permettent cependant, malgré leur réapparition constante, une diversité infinie commandée par des conditions qu'imposent des circonstances particulières et précises. » Le style caractérise chez Zemper la capacité à créer une nouvelle série originale à partir de ce qui est déjà inclus dans une série d'ordre, pourrait-on dire, inférieur, dont le principe est au commencement guidé par des besoins naturels, universels, fondamentaux. On pourrait dire que le style est formation libre de séries, à partir de séries dont l'organisation répond à l'origine seulement de dispositifs biologiques. Pour définir le pouvoir créateur de l'artiste, Goethe utilise la métaphore du kaléidoscope que l'on tourne jusqu'à faire naître des figures nouvelles. Par dérivation imaginative réglée, l'artiste est capable, à partir du cas prégnant que constitue par exemple un vitrail d'église, particulièrement complexe, de faire surgir à l'infini de nouvelles figures. Goethe emploie à maintes reprises la notion goethéenne de dérivation permettant, je cite, de faire ressortir par elles-mêmes les formes de leur forme typique primitive pour obtenir, je cite encore, des variations de leur style. Alors, lisons encore ce passage de Zemper en écho avec Goethe. Que si un motif artistique a subi un traitement matériel quelconque, son type originel sera alors modifié par ce traitement, prenant grâce à lui une tonalité déterminée. Une métamorphose plus ou moins prononcée s'étant opérée en lui, le type abandonne ce qui, pour ainsi dire, correspond aux premières étapes de son développement. Que maintenant, à partir de cette transformation secondaire, ou effectuée de multiples manières, il subisse un nouveau changement de matériaux, alors la forme qui en résulte sera un résultat mélangé, exprimant à la fois l'archétype et toutes les étapes qui précèdent la dernière formation. Grâce à la reconstitution du bon déroulement de l'évolution, on pourra ainsi reconnaître l'ordre des chaînons intermédiaires, qui font le lien entre l'expression primitive de l'idée artistique et ses multiples dérivés. Malgré leur infinie diversité, les œuvres forment selon Goethe entre elles comme un cœur caché, je cite une expression qui est un extrait du poème sur la métamorphose des plantes, et on retrouve cette métaphore de cœur caché à de multiples occurrences chez Leibniz, non sans quelques accents leibniziens, Zemper lui-même faisant d'ailleurs référence aussi à Leibniz. Le lien entre musique et architecture se soude autour de la redéfinition du beau comme, je cite, « résultant d'actions d'ensemble, permettant, je cite encore, de créer un effet de concert ». Alors certaines figures clés, voire certains arts clés, jouent justement le rôle de chef d'orchestre, permettant d'harmoniser des séries de différents ordres, reliant ainsi indéfectiblement des figures qui pouvaient pourtant à première vue sembler présenter une hétérogénéité irréductible. Ces figures clés ou ces arts clés forment comme un foyer idéal. C'est une citation de Zemper. Alors, les séries ne s'ordonnent pas de manière linéaire,
mais selon un principe radial que certaines figures primitives, comme le flocon ou le cristal, illustrent. L'ordre se construit de manière dynamique, en fonction d'un jeu de force simultanément centrifuge et centripète. L'ordre se construit à la fois du centre vers la périphérie et de la périphérie vers le centre, selon des mouvements oscillatoires produisant un effet d'alternance entre repos et mouvement. L'ordre est une forme en devenir dont la plasticité est la caractéristique essentielle. Je cite Zemper, « Se transporter mentalement au cœur du réseau des relations permet à l'observateur de se rendre, je cite, « sensible à l'eurythmie des figures ». Les figures originaires ou archétypes sont non seulement ce en deçà de quoi on ne peut remonter lorsque l'on enquête sur le processus de formation du sens, mais elles sont encore le point d'où il nous faut toujours repartir pour comprendre ce processus dans sa globalité. Et un des présupposés de Zemper consiste à dire que ce n'est justement que si l'on aborde le phénomène de formation dans sa globalité qu'on peut le comprendre. Elles sont donc à dénombrer, ces figures originaires, et à décrire comme principes productifs, stimulant la création à venir. L'approche morphologique n'est pas tant fondation a priori comme chez Kant, que description minutieuse, endroit inachevable et ouvrant sur la création à venir. Il faut que ce soit fructueux, comme dirait Goethe. Il faut ajouter à ceci que les formes originaires ne sont pas forcément simples, elles peuvent être dites au contraire complexes. Je pense que Zemper est un peu un penseur du complexe, un peu comme chez peut-être Simondon, au sens où elles contiennent rétrospectivement en germe des déploiements divers et variés selon diverses directions. Elles condensent des traits caractéristiques qui vont se déployer différemment ou même séparément dans d'autres figures dérivées. Zemper note bien cela, la mise en ordre ne va pas de manière analytique et linéaire du simple au complexe, ou de la cause à l'effet, hein, comme d'autres penseurs pourraient le supposer, mais la mise en ordre va du complexe comme matrice au simple que l'on peut en dériver, puisqu'il l'implique parfois rétrospectivement, sans forcément suivre l'ordre chronologique ou historique pour rendre compte de ces mises en série. On retrouve chez Zemper ce principe de la radialité de la mise en série. Le principe de radialité permet d'attirer l'attention sur un point de référence central autour duquel un ensemble se trouve arrangé et l'architecture apparaît comme le chef d'orchestre des autres arts appliqués qui se projettent respectivement sur l'air relationnel qu'elles constituent en y trouvant leur meilleur lieu d'expression car ces arts appliqués y révèlent le passage possible pour eux d'un stade plus mécanique commandé essentiellement par les besoins primordiaux, à une compréhension expressive par laquelle l'homme réalise la liberté qu'il peut prendre par rapport aux matériaux choisis et l'écart que sa production présente ou peut présenter par rapport aux formes originaires liées à des fonctions biologiques. L'architecte est celui qui a conscience de la beauté qu'il y a à pouvoir conserver des formes originaires, nées des différents arts appliqués et donc liées à des besoins primaires, tout en les transformant radicalement par l'acquisition d'un style. Une certaine autonomie se trouve conquise par rapport aux formes et aux matériaux, sans que soit perdue pour autant de vue l'histoire de ces formes et de ces matériaux. La force d'une architecture semblerait tenir alors au grand écart maîtrisé entre maintien de formes originaires et libération de ces formes. Alors je cite chez Zemper, « Le style consiste dans la concordance d'un phénomène artistique avec l'histoire de sa formation, ainsi qu'avec toutes les conditions et circonstances de son devenir. » Alors c'est en quelque sorte la réflexion sur l'architecture et la projection des arts appliqués sur l'architecture, née toutefois indépendamment d'elles et chacun selon leur logique propre, qui permet le passage, selon Zemper, de la simple imitation de la nature à l'expression libre et au style. Alors j'en viens à mon deuxième point, les apports humboldtiens à l'anthropologie de Zemper, puisque Zemper tire aussi de Wilhelm von Humboldt certains points décisifs de son analyse. L'étude du chinois par Humboldt trouve son corrélat chez Zemper, fasciné quant à lui par les découvertes récentes des archéologues, on l'a dit, en Égypte et en Assyrie. Zemper veut bousculer l'approche de l'univers grec en montrant que ce pôle prégnant de l'histoire des arts dont le temple grec condense les traits ne peut être bien compris qu'une fois replacé au centre d'un réseau multipolaire incluant des formes égyptiennes et assyriennes. L'art grec se trouve soudainement abordé comme la libre reprise de formes barbares, pourrait-on dire, non consciente encore des différents principes qui les régissent. Humboldt, comme Zemper, nous dépayse littéralement. En un sens, Humboldt transpose la morphologie à l'étude des phénomènes langagiers qu'il entreprend de comparer. Les langues forment, malgré leur grande et infinie diversité, comme un cœur caché,
car on peut traduire une langue dans une autre et observer par quelles mutations les langues évoluent progressivement, tout en conservant leur génie propre, leur caractère irréductible. Zemper élargit, pourrait-on dire, la conception du langage humboldtienne à son approche de l'art en général et de l'architecture en particulier. Humboldt conçoit le langage non seulement comme un simple outil, un instrument, un ergone, secondaire, annexe ou extérieur, mais aussi et surtout comme une energeia, une énergie, un champ, dans lequel évolue la pensée comme dans son Denkraum, son espace de pensée, qui est aussi Lebensraum, espace de vie, de mouvement. Le langage est animé par une forme interne, un vocable qui vient de Goethe chez Humboldt, qui se déploie dans le dialogue, compris comme processus d'interprétation et de réinterprétation collective ou traduction créatrice. La revalorisation par Zemper des techniques du matériau, voire des outils et de la main qui travaille, va en ce sens d'une revalorisation du médium comme pivot essentiel. Les techniques ne sont selon Zemper pas seulement ergone, mais aussi energeia. C'est par leur maîtrise que l'individu se forme en formant le monde qui l'entoure. D'un point de vue politique et social, contre Hegel, qui est son principal opposant, Humboldt se caractérise par une approche humaniste, on pourrait dire républicaine, du rapport de l'individu à l'universel. L'individu est et doit rester le point agissant de départ, même si son action créatrice consiste à recréer des types généraux qui ont une longue histoire et qui le font implicitement participer à l'œuvre globale de l'humanité. Le rapport qui unit l'individu à l'humanité est celui de la dérivée à l'intégrale, comme dans la monadologie leibnizienne. Par contraste avec Hegel, qui en fait écrase finalement l'individu sous l'universel et referme en quelque sorte l'étau sur quelque chose qui pouvait au départ sembler être libération de l'individu par rapport au déterminisme de la nature. Humboldt propose une approche sémiologique élargie qui ne se réduit pas à l'étude du langage comme représentation conceptuelle. Sa démarche résolument non métaphysique ouvre non seulement sur une esthétique, mais aussi sur une anthropologie de la culture qui admet une pluralité d'universaux. Humboldt revalorise les cultures extra-occidentales en montrant que leurs langages sont aussi complexes que le nôtre. Avec Humboldt, on va vers une compréhension des peuples extra-occidentaux comme « égaux » entre guillemets des peuples occidentaux, même si Humboldt, toutefois, c'est vrai, hiérarchise parfois les langues en donnant sa préférence aux langues à flexion, par exemple, par rapport aux langues agglutinantes. On peut noter que Humboldt conserve, comme le fait aussi Zemper, une dimension téléologique à son approche, ce qui peut donner l'impression d'européanocentrisme, mais il tend en réalité à un dépassement de cet européanocentrisme, car c'est d'un processus universel de libération qu'il s'agit. L'individu doit aller par sa formation progressive vers une forme de liberté plus grande et s'élever à la compréhension de l'humanité. Le processus de configuration suit un mouvement de libération, sauf, souligne Zemper, dans des moments de crise, où l'on perd le sens de la créativité de nouvelles formes. Alors, on retrouve chez Zemper des échos au projet de Humboldt dans ce passage décisif qui fait partie du début de la première partie de l'ouvrage sur le style. L'art possède son langage spécifique fait de types formels et de symboles qui se transforment de manière très variée au cours de l'histoire de la culture, de telle sorte que dans la manière qu'il a de s'exprimer à travers eux, règne une diversité presque aussi grande que celle qui existe dans le domaine de la langue particulière. Ainsi, de même que la linguistique la plus récente, sous-entendue celle de Humboldt, s'attache à mettre en évidence les relations d'affinité qui existent entre idiomes humains, à remonter le courant de la transformation des mots au fil des siècles en les ramenant à quelque source vers laquelle ils convergent en une forme primitive commune, réussissant de la sorte à élever la philologie au rang de sciences authentiques, à faciliter même la simple étude pratique des langues et à jeter sur le sombre territoire de l'histoire primitive des peuples une lumière inattendue. Un effort de même nature se justifie dans le champ de l'histoire de l'art, consacrant cette attention qui lui appartient en propre à expliquer le développement des formes artistiques à partir de leurs germes et de leurs racines, leurs changements et ramifications. Zemper reprend en outre à Humboldt sa théorie de l'histoire, je cite, « travail incessant d'individus qui comprirent leur temps et trouvèrent la formule juste pour satisfaire aux exigences de celui-ci. » Il y a le terme humboldtien de tâche, hein, l'histoire et l'histoire de tâches, de problèmes successifs qui se sont posés à des individus qui chacun ont entrepris de les résoudre de manière originale. Cette formule donc, que je viens de citer pourrait sembler proche de la théorie hegelienne du grand homme. Or, en fait, c'est l'exact contraire, puisque selon Zemper, en fait, l'individu
Ah oui, non, c'est pas, j'ai pas mis la citation sur le PowerPoint. L'individu qui anime reste, eu égard à la hiérarchie des éléments, la pièce qui doit être prise en considération le premier. Donc, c'est, si vous voulez, dans le couple individu universel, c'est l'individu qui doit, les processus d'individuation qui doivent avoir la première place. Donc Zemper reprend également à Humboldt la notion de caractère, hein, ce qu'on ne comprend pas bien d'ailleurs si on perd de vue Humboldt. Cette notion est décisive pour comprendre le projet de Humboldt, qui souhaite non seulement mettre au jour des structures par comparaison des langues entre elles, mais aussi décrire des caractères propres à chaque langue, qui se révèlent dans l'acte vivant de parole. Structure et caractère d'une langue constituent les deux clés de voûte de l'édifice de Humboldt. Et on pourrait dire qu'il en va de même chez Zemper, où l'étude comparée des différents types d'architecture d'aires culturelles différentes est légitimée, je cite, par le précis sentiment épistémologiquement précaire de leur caractère. Hein, donc il essaye de dégager des caractères. Zemper illustre à certains égards, alors ça c'est un peu risqué comme interprétation, mais je voudrais quand même le prononcer, à titre d'hypothèse, je pense qu'il illustre une sorte d'anthropologie structurale aux accents morphologiques qu'on pourrait dire en un certain sens comparable, alors c'est bien sûr un grand écart que je fais ici, à certaines des petites mythologiques de Claude Lévi-Strauss, donc à la fin de son œuvre, où il prend beaucoup plus en compte des œuvres d'art, des masques, etc., et où on voit bien l'accent morphologique et les méthodes de Goethe mises à profit par Lévi-Strauss. Alors, je cite Zemper et non pas Lévi-Strauss. L'architecte qui sait reconnaître la signification la plus originelle des plus vieux symboles de sa propre langue et qui se rend compte de la manière dont avec l'art lui-même il se transforme au cours de l'histoire tire un profit comparable à celui que la linguistique comparative et la mise en évidence d'une communauté originaire des langues apportent à l'orateur moderne. Et je crois que l'époque n'est plus loin où la recherche des formes linguistiques et cette autre recherche qui s'intéresse aux formes artistiques entreront toutes les deux en interaction d'une manière telle que les éclaircissements réciproques les plus remarquables devront en résulter dans les deux domaines. Alors, Zemper ne parle certes pas ici d'homologie structurale entre différentes grandes familles de structures, langage et art, comme ce sera le cas chez Lévi-Strauss, quand il aborde ensemble séries de masques et séries de mythes, par exemple dans La Voix des masques, mais Zemper parle de réseaux d'analogies entre, par exemple, c'est un exemple bien connu, les parures d'un casque assyrien et les palmettes d'un bâtiment relevant, pourrait-on dire, de la même épistémé. Et donc c'est ce champ, pourrait-on dire, à titre de parenthèse, hein, mais qui serait intéressant à creuser, c'est ce champ qu'explorera Panofsky dans notamment Architecture gothique et pensée scolastique. Un ouvrage qui donnera d'ailleurs à Bourdieu, qui l'a traduit et préfacé, l'idée de thématiser les forces formatrices d'habitude qui caractérisent un certain habitus culturel, en étudiant, par exemple, dans la thèse de Bourdieu, les déplacements dans l'espace de la maison kabyle. Alors, je fais exprès de mentionner cela, parce qu'il y a chez Zemper ces études de déplacement aussi dans des espaces pour dégager leur configuration. Alors, il y a une ligne de Zemper qui semble même résumer de manière surprenante l'ouvrage à venir de Panofsky. Je mentionne que l'idée n'est pas de moi, puisqu'elle est mentionnée dans la note, mais... C'est vrai que ça y fait explicitement penser. Zemper dit « L'édifice gothique était la transcription lapidaire de la philosophie scolastique des XIIe et XIIIe siècles, juste après avoir fait son exemple de palmettes et de casques, d'avoir fait des rapprochements entre parures et puis ornements en fait, des bâtiments. » Alors toutefois, d'un point de vue sociologique, l'auteur a convoqué pour comprendre Zemper demeure plutôt Georg Simmel. Du fait de ses engagements politiques marqués et de son implication dans la vie sociale par son métier d'architecte, Zemper attache, il est évident de le remarquer, davantage d'importance à la dimension sociale des productions culturelles qu'un historien de l'art ou un théoricien de l'art pourrait le faire. Quels sont les échos de Zemper avec la sociologie formelle de son contemporain Simmel ? Un petit peu plus jeune, mais on pourrait dire que ce sont quand même des contemporains. Alors, tous deux abordent le problème de l'émergence de différents processus d'individualisation face à plusieurs points marquants qui forment des points communs entre leurs deux positions, face à la multiplication des machines, à la reproductibilité technique, à la démultiplication des moyens modernes mis à disposition de l'individu et face à la modification, parfois marquante, du statut des matériaux en fonction de l'arrivée de nouvelles techniques.
Alors, à la différence de Goethe et de Humboldt qu'on vient de mentionner, Zimmel et Zemper formulent un diagnostic critique de la situation de crise où se trouve l'individu face à la culture à leur époque. Ils prennent au sérieux le sentiment de démotivation potentielle de l'individu face à l'ampleur du matériau objectif qui se trouve face à lui. Zimmel parle quant à lui de tragédie de la culture pour évoquer la tension entre l'individu et la grande masse d'objets, de techniques et de moyens qui sont mis à sa disposition. Comment donner l'impression que tout cela serait assimilable pour redynamiser la créativité des individus ? Alors, lisons ces mots de Zemper en écho aux analyses de Zimmel. Donc, en fait, Zemper vient avant, écrit cela avant Zimmel et avant Benjamin. Hein. L'époque présente n'a le temps ni de se reconnaître au milieu de cette abondance de bienfaits presque imposés, ni de les maîtriser. Et plus loin, dans un texte contemporain à l'exposition de Londres, l'excès de moyens, tel est le premier danger sérieux contre lequel l'art va avoir à lutter. Cette expression est peut-être illogique. Alors, il a l'impression qu'il faut qu'il nuance. Il n'y a pas de surabondance de moyens, mais une insuffisance dans le pouvoir de les maîtriser. Toutefois, elle se justifie en ce qu'elle montre bien l'état de renversement de nos relations. On note ici un accent tragique qu'on lit aussi chez Nietzsche quand il analyse l'inversion des valeurs, empêchant la créativité et le grand style, qu'on retrouve encore chez Warburg dans les dernières lignes de son exposé sur le rituel du serpent, et chez Walter Benjamin quand il analyse l'art à l'ère de la reproductibilité technique. La dialectique bienheureuse qui animait forme et vie chez Goethe et les humanistes de l'époque de Goethe semble perdre de son dynamisme. Au lieu d'une véritable renaissance des formes originaires permettant un nouveau style d'émerger et de s'installer dans la durée pour fructifier à nouveau ultérieurement, on assiste, selon Zemper, à la production de copies mécaniques qui font perdre le sens des types originaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, Zemper n'est pas un pessimiste, hein, c'est un révolutionnaire. Donc, il faut donc, de manière urgente, restaurer les moyens de se cultiver, de se former, et donc proposer à la fois une synthèse unificatrice, une vaste anthropologie ambitieuse, englobante, qui permette de réorganiser la masse du matériau, et ce faisant, tenter de ne pas couper cette enquête de la pratique concrète, surtout pas avoir l'effet inverse de celui qui est espéré, c'est-à-dire permettre la production. Pour bien garder en tête que l'érudition ne sert que si elle est créatrice, c'est-à-dire si elle reste au service direct de la pratique, qui est en fait le cœur de la démarche. Il faut donc, on peut souligner que Zimmel et Zemper ont eu en commun de penser aux solutions pédagogiques concrètes qui pourraient débloquer le problème, et ils n'en sont pas restés l'un et l'autre à un conflit pessimiste concernant un certain déclin de l'Occident, je cite un ouvrage de Spengler, ou une perte d'aura, Benjamin n'étant pas d'ailleurs non plus si pessimiste et donnant aussi des clés pour redynamiser le rapport à la culture. Leur conclusion à Zimmel et Zemper consiste à dire qu'il faut repenser de fond en comble la formation individuelle. Zemper et Zimmel analysent tous deux à leur manière ce que Zimmel appelle, je cite Zimmel cette fois, les effets de socialisation sur l'organisation de l'espace. C'est le titre d'un des chapitres de Zimmel et il me semble que c'est aussi ce que fait Zemper parfois. Avec, alors ça c'est moi qui ose ce rapprochement peut-être pas opportun, avec des approches concrètes qui font parfois penser à l'esprit des lois de Montesquieu avec des effets de... ça m'a donné l'impression de parfois ressembler, même si le rapprochement est sans doute audacieux. Alors, enfin, en tout cas, Zemper et Zimmel soulignent tous deux l'importance du cadre concret qui entoure une œuvre, et ils soulignent l'importance de l'ornementation que doit de préférence porter ce cadre en fonction de la taille du tableau, de son thème, etc. Zemper parle de l'importance du cadre dans le style en 1860. Il dit, on en a parlé tout à l'heure comme pour les clôtures du mur, que le cadre permet la clôture, le centre permet de constituer le centre d'une disposition eurythmique. Mais ce qui est décisif, c'est que Zemper rapproche le cadre de l'œuvre d'art, de l'œuvre tout court, à la porte ou à la fenêtre qui, dans une architecture, je cite, encadre la personne qui se met en avant ou qui observe. Donc, ce qui intéresse Zemper, c'est l'idée de cadre, parce qu'une personne peut y surgir, l'individu peut y surgir, en fait, dans un processus aussi qui individualise et qui permet à la personne d'être libre. Le cadre, alors je cite, est une des formes de base parmi les plus importantes en art, donc ça c'est une phrase de Zemper,
Pas d'image enfermée ni d'échelle de grandeur sans lui, ce n'est que par le cadre que l'eurythmie entre en application et que la disposition régulière et concentrique des composantes formelles viennent à former une figure fermée autour de l'objet encadré. De même, la tenture ou le revêtement d'un mur sont le symbole de la séparation spatiale nécessaire à l'émergence d'une figure, et pourrait-on dire aussi d'une personne, une figura d'un individu. Simmel parle lui aussi du cadre dans un petit essai daté de 1902. Donc, c'est un essai qui s'appelle « Le cadre, un essai d'esthétique ». Donc, c'est bien après Zemper, qui est traduit en français dans « Le cadre et autres essais ». Et Simmel dit que le cadre fait du tableau une île. Ça construit une forme d'insularité. Et il précise que pour cela, l'ornementation du cadre doit être perpendiculaire au tableau. Il y a toute une théorie de la manière dont il faut orner le cadre. Il dit que le cadre ne doit pas faire preuve d'individualité, mais de style, parce qu'il doit témoigner d'une certaine neutralité pour contrebalancer l'individualisation dont l'œuvre doit, elle, quant à elle, faire preuve. Pour que l'œuvre soit originale, individuelle, il faut à la fois qu'elle se détache, qu'elle se découpe, qu'elle s'autonomise d'un arrière-plan plus global, tout en pouvant, à un second niveau, être reconnectée aux autres œuvres avec lesquelles elle entre en série et en réseau, selon un maillage complexe dont elle condense le principe. On pourrait dire qu'il en est de même de l'individu, qui doit pouvoir à la fois se couper de la mode, dépasser les cercles sociaux intermédiaires qui pourraient le refermer, le clôturer dans le mauvais sens du terme, pour être lui-même, être original. Donc l'individu doit se découper du groupe. Et ensuite, c'est ça qui va lui permettre de s'élever à l'idéal de l'humanité. Le cadre doit être à la fois présent et effacé, donc c'est un petit peu curieux, c'est un peu comme l'ornementation. Il doit servir, je cite Zemper, d'intermédiaire entre l'œuvre d'art et son milieu, qu'à la fois il relie et il sépare. Et là, c'est une citation de Simmel. Tâche à laquelle, dans l'histoire, l'individu et la société s'épuisent mutuellement. Alors, oui, une minute. Voilà. Donc, oui, alors il faut que je fasse très vite alors. Dernier point. Ce que reprendront peut-être à leur manière indirectement Warburg, Cassirer et Wint à Zemper. Alors donc, il y aurait assurément beaucoup à dire sur le lien qui unit la pensée de Zemper à celle d'Abby Warburg. Les unit d'abord l'attention aux détails. Zemper s'intéresse aux détails des feuilles d'une couronne et fait cette description patiente pour montrer ce qui rend ce motif vivant. Et Warburg, quant à lui, détaille le pli d'un vêtement, l'ondoiement d'une chevelure, comme Zemper parle de la coiffure, du drapé. Et par excellence, symbole chez Zemper et Warburg, ce qui exerce une activité souterraine, inconsciente ou invisible si on ne, n'y prête pas garde. On ne prête pas attention au revêtement coloré d'une paroi, or c'est cela qui est l'essentiel, car selon Zemper, c'est là que se joue une réminiscence confuse d'anciens modes de vie et de pensée et que les formes originaires du tissage et de la vannerie nous parviennent, malgré toutes les transformations culturelles subies. Le symbole est ce qui réunit l'homme primitif et ses cultes magiques irrationnels avec l'homme technique, capable de modeler les matériaux de manière plastique et libre. Le symbole est ce trait d'union qui rassemble tous les hommes. Il restaure soudain un état éloigné et procure une certaine nostalgie créatrice. Alors, or, on te retrouve dans les planches de l'atlas Mnemosyne constitué par Abby Warburg pour élaborer une grammaire visuelle des gestes pathétiques. La revalorisation d'art mineur présente chez Zemper pour faire vibrer les arts majeurs. Les planches de Warburg, dans son atlas, se polarisent et se repolarisent par organisation dynamique de séries et de groupes d'œuvres autour de figures complexes, de matrices jouant le rôle de cap régnant. De même que les arts techniques se trouvent mis autour de l'art libre que constitue l'architecture, les petites céramiques, les sauts cylindres, les timbres, etc., entourent les œuvres centrales sur les planches de l'atlas d'Abby Warburg et les font vibrer, leur donnant un sens profond. On ne sait plus si ce qui est important pour comprendre les planches d'Abby Warburg est l'œuvre centrale, expliquée dans ce qui l'entoure, dépliée en eux pour s'y exprimer, ou si ce sont au contraire les œuvres mineures qui sont autour du chef-d'œuvre qui sont l'essentiel, car c'est souterrainement, grâce à ces œuvres mineures d'art appliqué, que la liberté du chef-d'œuvre central apparaît par oscillation. Le chef-d'œuvre se libère de ses forces par ce léger dérangement qu'induit la proximité d'œuvres mineures. Et cela produit un sentiment d'inquiétante étrangeté au sens freudien. Ce qui n'était a priori pas animé s'anime donc miraculeusement
et il en va de même dans les études zempériennes de l'ornement, du revêtement, du décor, des parures. On peut souligner que Zemper et Warburg sont tous deux à ce titre intéressés par les fêtes et les cérémonies, alors qu'elles ne sont souvent traitées par les historiens de l'art de l'époque comme anecdotiques, elles donnent chez eux toute leur signification symbolique aux figures comme survivance des liens d'un groupe culturel. Alors, encore une minute, si je peux vite terminer. On peut souligner une autre proximité entre Zemper et Warburg. Leur intérêt pour l'expression apparaît toujours dans son sens non lyrique, c'est-à-dire non romantique, non orienté seulement à partir du pôle sujet, mais toujours au sens plus objectif, plus orienté vers le pôle objet. Ainsi, Zemper aborde des éléments qui pourraient paraître intéressants pour un romantique, mais il s'y intéresse avec le regard neutre et objectif de l'appareil photographique, ou même, on pourrait dire, de la caméra, de façon anachronique, ce qui le rend très moderne. Enfin, bien sûr, l'idée de concevoir un musée idéal qui ne cède en rien à l'approche esthétisante qui guettera le musée imaginaire de Malraux, mais qui s'enracine dans une anthropologie de la culture ambitieuse tout en servant la créativité à venir, est commune à Warburg et à Zemper. Alors passons plus rapidement pour finir sur le rapport entre Zemper et Cassirer. On peut dire que tous deux cheminent entre approche morphologique goethéenne et approche structuraliste avant la lettre telle qu'elle se déploiera chez Lévi-Strauss. Zemper et Cassirer ont en commun de refuser tout réductionnisme. Ils revendiquent une approche complexe des œuvres d'art qui intègre de multiples niveaux de signification. L'approche morphologique s'ouvre sur une théorie de la culture élargie, définie comme anthropologie de l'homme en mouvement. Cassirer veut saisir les aires relationnelles de projection où se projettent différentes formes symboliques, irréductibles pour caractériser chaque époque culturelle. Il développe une philosophie relationnelle qui aborde les formes symboliques comme des fonctions. Et donc, on pourrait remarquer que l'architecture joue ce rôle d'aire de projection. L'étude de l'architecture devient le meilleur moyen de mettre au jour différentes épistémées et dégager l'idée propre à chaque aire culturelle. Quant au rapport de Zemper à l'historien de l'art et philosophe qu'est Edgar Wint, il se tisse sur plusieurs points centraux de leurs esthétiques, la valorisation de la technique, la thématisation de l'instrument et de l'outil. Je cite Zemper, « Le matériau à traiter, l'informel d'où surgira une forme, sont également liés à l'instrument et à la main qui le manie. On peut souligner la grande modernité de cette approche qui lie forme et technique et style. Zemper rappelle le lien étymologique entre le style et le burin, instrument dont les anciens se servaient pour écrire et dessiner. Parler de l'instrument et du geste pour le manier permet de penser la forme comme un résultat connecté souterrainement avec des gestes anciens de réponse à des besoins primaires. » Alors je passe, il y a un petit passage, mais on peut quand même souligner que Zemper dit que l'œuvre d'art, je cite, « est le résultat d'un processus dont le style correspond à l'élévation du thème fondamental à la signification artistique, ainsi que de tous ses coefficients internes et externes qui agissent à travers l'incarnation de ce thème transformé en œuvre d'art, et que le thème de l'incarnation est commun aussi, la notion d'incorporation est commun à Zemper et Wint. » Alors nous voudrions conclure sur la modernité et l'originalité de la pensée de Zemper. En voyant dans l'ornementation un symbole qui condense le principe caché permettant de former des groupes et de mettre en série ces groupes, et en présentant un système d'analogie élargie qui englobe les pratiques de parure du corps en mouvement dans l'espace social et d'autres techniques, Zemper offre un modèle morphologique d'approche des phénomènes artistiques très modernes. Son regard n'est pas le regard lyrique du romantique, mais le regard objectif qu'apporte le plan, la carte, la planche anatomique, la photographie, pourrait-on dire même la caméra, bien que ce soit anachronique. Il aborde le plus objectivement possible les œuvres culturelles, tout en développant souterrainement une poétique discrète de l'organisme vivant. Partir de l'architecture est le moyen d'ouvrir l'esthétique sur une anthropologie, une approche qui aurait pu rester stérile, demeurer datée si elle s'était cantonnée à une approche esthétisante seulement d'œuvres plastiques, au lieu de permettre, comme l'a fait Zemper, une réflexion générale approfondie sur la culture. Je vous remercie de votre attention.